La 25e conférence mondiale des remnants va se dérouler du 5 au 5 août avec le titre « La plateforme, la tour de garde de l'antenne pour sauver l'avenir ». Et tout le calendrier est aussi diffusé à travers UDARAC et RUTC TV en direct. La retraite leader des remnants s'est déroulée avec 1805 personnes de 18 pays. Elle s'est déroulée au RUTC de Dongpyeong. Pasteur Liu a dit a donné 15 messages avec le titre « Le chef-d'œuvre spirituel pour changer le monde ». La formation des nouveaux croyants et des ministres des Temps se déroule le 9 août au RUTC de Dongpyeong et les messages commencent avec le message de la voie du salut. La retraite des jeunes adultes se déroule le 15 août au RUTC de Dongpyeong. Bonjour, ce sont les actualités du RUTC. La retraite de leader de l'Emnan s'est déroulée pendant 2 jours, du 27 et le 28, avec 1805 personnes de 18 pays. À cette retraite, Pasteur Liu a donné le titre comme le chef-d'œuvre spirituel pour changer le monde, l'adresse actuelle du Remnant et le parcours du Remnant, la préparation de l'avenir des Remnants, la force du Remnant et dernière commission de Remnant. Donc, il a donné 15 messages. Il a dit, et pour établir le trône en moi sur le terrain, dans le monde, et il faut le parcours du Remnant en tant que ceux qui sont restés, en tant que balais en train de conquérant, et la préparation de l'avenir en tant que ceux qui sauvent les 200 nations et guérir les malades et les sommets. Et la dernière commission du Remnant pour préparer pour les missions mondiales, pour l'évangélisation et en tant que responsable d'Église. Pasteur Liu a dit qu'il faut pouvoir résumer ça en une seule phrase pour trouver le plan de Dieu et pour trouver les terrains de 200 nations et que dans le processus, ils peuvent recevoir beaucoup de réponses. Alors, 1805 personnes ont participé à cette retraite. Après chaque message, les Remnants ont lu les versets bibliques qu'ils ont médités et ils sont concentrés sur la parole. La 25e conférence mondiale des Remnants va se dérouler du 3 au 5 août. Alors, le 3 au soir, c'est l'ouverture et Pasteur Liu va donner un message pour l'ouverture à 19h. À 20h, il y a la louange et aussi la prière. Le premier message, le lendemain, le 4 à 10h30. Le deuxième message, à 19h30. Le troisième message est le 5 à 10h30. À 19h, le 5, c'est la confession de l'évangéliste et la soirée des remnants. Il y a aussi la louange et la prière. Avec tous les messages et tout le calendrier est aussi diffusé en direct par UDARAC et aussi RUTC TV. À cette conférence mondiale des remnants, on organise aussi l'exposition des cahiers de CVDIP. Et on va faire cette exposition en ligne. Tout le monde peut participer à cette exposition. Et nous allons aussi faire la promenade du RUTC de Dongpyeong en ligne, donc sur notre chaîne YouTube et aussi RUTC TV. Et sur tous les terrains où l'Alliance est prêchée, c'est le village du RUTC, de la conférence des remnants. Et on fait le design de la banderole, vous pouvez télécharger sur notre site wia.kr et aussi prendre la photo et la vidéo de tous les terrains du monde. Vous pouvez envoyer ça, comme ça c'est utilisé pour les activités du RUTC et aussi pour la conférence mondiale des remnants. Et les offrandes continuent de venir, et l'église de Hana et aussi l'église de Hanmaum de Washington et aussi l'ancien Yuyang-on ont donné des offrandes pour la conférence mondiale des remnants, l'église Sarang, l'église Emmanuel et aussi l'ancien Changjite. Beaucoup de personnes qui prient pour le mouvement des remnants continuent de donner des offrandes. Et la formation des nouveaux croyants et les ministres de terrain se déroule le 9 août au RUTC de Dongpyeong. Nous allons utiliser la voie du salut, donc vous pouvez acheter le manuel sur notre site.
www.rutc.kr. Alors, ça se passe seulement sur place au RETC. Le premier message, 9h30 à 14h, deuxième message, et ensuite le troisième message. Tous les participants doivent porter masque 94, KF94, et nous vérifions si vous portez le masque KF94. Et donc, l'inscription finit à 18h le 3 août. La retraite de jeunes adultes se déroule le 15 août au RUTC de Dampion. Cette retraite est figure principale du mouvement des Saint-Maçons et l'inscription continue sur wia.kr. Alors, les nouveaux manuels de formation sont en vente. Alors, les messages du début du mouvement évangélique et sont les manuels qui restaurent l'alliance. Et aussi, il y a la lettre de l'Évangile, et aussi les messages d'évangélique du terrain. Il y a 26 manuels qui sont en vente. Et pour les ministres de l'Église régionale, il y a aussi la formation des futurs ministres de l'Église régionale et aussi les messages de la conférence des missions industrielles aux États-Unis et aussi les messages de la formation des nouveaux croyants. Donc, c'est vraiment des manuels qui peuvent vraiment nous donner une perspective. Alors, vous pouvez cliquer sur le matériel que vous voulez et puis acheter par la carte de crédit et aussi virement bancaire et aussi virement virtuel. L'album, 16e album de La Souche et puis aussi les produits de la Conférence mondiale des Remnants sont en vente sur wia.kr. Alors, en compact et en USB, vous pouvez acheter l'album. Et aussi, la partition en différentes langues de la chanson thème sont disponibles sur notre site wia.kr. Le communiqué, il n'y a pas de message central de formation le 6 août. La Conférence mondiale des Remnants commence bientôt. Dans toutes les églises, sur toutes les familles, vous allez vous réjouir de la réponse de la plateforme. L'antenne est la fin du journal. Merci.